Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur iRacing. Ça faisait un moment pour découvrir la première des deux nouvelles monoplaces à faire leur apparition dans cette très attendue mise à jour de décembre. En effet, avec cette formule Renault 3.5, on découvre une voiture qu'on n'attendait pas du tout avec au programme. Eh bien, une monoplace qui est tout simplement à l'abandon, IRL, hein, elle a mis du temps à venir, mais elle était sous licence et on ne s'attendait pas à la voir arriver de sitôt, voire plus du tout. Et finalement, eh bien, iRacing nous a surpris avec deux monoplaces. Alors, il va être question dans cette vidéo des premiers tours de roue au volant, de cette voiture. Alors, je suis sur une petite session practice qui a popé sur le circuit du Nürburgring GP. J'ai fait quelques kilomètres, quelques centaines de mètres pour voir que tout allait bien avant de m'insérer dans le trafic. Alors on va essayer de la mettre un petit peu en température et de voir un peu ce que l'on peut faire avec cette voiture. On va surtout discuter de son passé. Je vous passerai comme d'habitude lors de ces sessions eh bien, les replays qui vous permettront de vous faire un avis un petit peu plus sympa sur la voiture en vue extérieure. Alors là on est en vue première personne, évidemment la vue de pilotage. Alors une voiture qui est disponible au prix de 12,99$, donc avec toute la suite des taxes et la conversion en euros, voiture qui revient comme tout à peu près 12-13€ bien sûr. Alors que là on a un peu bloqué au premier passage de la chicane. Alors j'ai pas encore fait un tour complet, la voiture est un peu réglée, j'ai été fouillé un petit peu. Alors on a bien la version de cette voiture qui est la dernière en date, puisque vous le savez, la formule Renault 3.5 dans le cadre des World Series by Renault n'existe plus depuis 2 ans, puisque lors des saisons 2016 et 2017, ça a été rebaptisé la Formula V8 avec des petites équipes qui continuaient à faire rouler leur monoplace. Une catégorie qui est née à la fin des années 90. En 98 a eu lieu la première série des World Series. À l'époque, c'était Nissan qui promouvait cette discipline avec des voitures qui avaient un châssis quasiment identique, mais surtout, c'était Dallara qui s'en était occupé, un petit off-track, mais surtout une motorisation qui était déjà Zytec Nissan et ensuite Taatus. Et ensuite, on est revenu sur des moteurs Zytec 3,4 litres de 530 chevaux lorsque Renault a repris le flambeau en 2005 jusqu'en 2015. Alors, petit blocage de roue. Alors, une voiture qui chauffe assez vite. Là, ça fait un tour. On est encore un petit peu en délicatesse, mais on commence à sentir le grip venir, on prend pas trop de risques. Évidemment, ça fait longtemps que je n'ai plus joué à iRacing. C'est un petit peu un retour en ce mois de décembre. Alors, est-ce qu'on peut prendre le S Schumacher quasiment pied à fond? Ça va être difficile avec le kit aéro que j'ai rajouté un petit peu d'appui, surtout à l'avant. Il faut être très délicat sur les freins. Alors, avant de se donner un petit aperçu de la voiture, on va continuer son pédigré. Donc, je le disais, une voiture qui a fêté ses 20 ans. Même si elle a beaucoup évolué avec un moteur Zytec qui a eu plusieurs versions au fur et à mesure des années. Voiture donc qui pèse sans le pilote 613 kg et qui dispose d'un réservoir de 110 litres. Des courses officielles qui étaient 2 par week-end et d'une durée de 45 minutes plus un tour. Ça n'a jamais beaucoup changé. Le barème des points a toujours été celui appliqué en Formule 1. Donc vous connaissez, les 10 premiers en recevaient à l'issue de chaque course. On parlait beaucoup de la Formule Renault 3.5 en tant qu'antichambre de la Formule 1 il y a une petite dizaine d'années, avec des pilotes qui sont passés par cette discipline et qui l'ont emporté. Alors on va pas parler des plus anciens comme Alonso, hein, qui l'avait emporté lors de la deuxième édition, si je dis pas de bêtises, 98 ou 99. Si on prend depuis les débuts de Renault, hein, des World Series by Renault, eh bien si on jette un petit coup d'œil, un peu large ici, à l'historique, eh bien on retrouve des noms qu'on connaît bien comme Robert Kubica en 2005, Bertrand Baguette en 2009. On peut considérer Franck Motani, hein, qu'il avait aussi remporté évidemment en 2003 je pense. Et bien plus récemment, on a eu Magnussen et Carlos Sainz, dont je pilote. Et d'ailleurs la voiture, hein, c'est la livrée Red Bull extrêmement classique. C'est une des premières disponibles sur Trading Paints. Je vous mettrai le lien dans la description évidemment. Avec cette voiture de 2014 qui a remporté le titre avec l'équipe d'Ams, hein, l'équipe française qui a eu beaucoup plus de succès, hein, avec des équipes françaises en Formule Renault plutôt que les pilotes français. Parce que le seul à l'avoir remporté de mémoire, je crois que c'est Franck Montagny. C'est pas passé loin pour certains, hein, au fur et à mesure des années. Je pense à évidemment à Jules Bianchi qui s'était battu à l'époque. Alors à vérifier, mais c'était peut-être avec l'équipe Tech One face à Robin Freins.
et le dernier vainqueur officiel, on va dire, de la formule Renault, c'était Oliver Holland, le Britannique, qui cette année, je crois d'ailleurs, roule en tant que pilote essayeur. Voilà pour la petite histoire de cette formule Renault 3.5. Je crois qu'on a quasiment rien oublié. On a parlé de tous les composants et de l'histoire un petit peu de la voiture. On peut conclure un petit peu cette histoire en disant tout simplement que la discipline a disparu officiellement en 2018. Ça n'a pas été reconduit depuis l'abandon de Renault et de ses World Series, vous le savez. Malheureusement, les formules sont un petit peu en train de disparaître. Alors, un comportement assez spécifique à une monoplace de 500 chevaux. Il y a également disponible sur cette voiture le DRS. On peut modifier pas mal de paramètres en termes de déploiement de la puissance. On a des kits aéro qui sont déjà disponibles, de quoi s'adapter à des pistes plus techniques comme Zolder ou le Nürburgring, ou plus rapides comme Monza. Ça y est, cette fois-ci, je suis resté dans les track limits. Alors, on a le launch limit hein, qui se base sur 5 maps différentes. On peut évidemment changer la balance des freins. On peut passer les différents écrans sur le HUD. Au niveau des pneumatiques, cette voiture IRL, comme dans le jeu, est équipée de pneus Michelin. Ça n'a pas changé après toutes ces années. Alors, au niveau du comportement, alors voiture qui demande évidemment un petit peu de préparation hein, parce que c'est une bête assez joueuse. Je pense que c'est un parfait mixte pour passer de la formule Renault. Alors, c'est vrai qu'il y avait la formule Mazda, donc la formule Renault 2 litres. Disponible depuis à peu près un an et demi, je crois, deux ans dans iRacing. Donc il y a cette 3.5 qui fait encore un peu plus le lien avec les grosses monoplaces que sont la Williams de FW31 de 2009 et la McLaren MP430 de 2015, je crois, avec le moteur Honda qui est disponible également, donc avec le système d'hybridation. Donc c'est pas mal, ça rajoute une catégorie où il faut un peu plus se cracher dans les mains pour tirer quelque chose de l'auto. Et vous le voyez ici, mes temps sont assez modestes. Je suis encore en phase d'apprentissage de la voiture sur une piste comme le Nürburgring. C'est pas mal parce qu'on a un petit peu de tout ici, des épingles serrées, des virages rapides. Alors pour l'instant, je constate que ma balance de frein est pas tip top hein, on est un peu trop sur l'avant, on bloque pas mal, mais il faut être extrêmement prudent et délicat avec cette pédale. Justement, c'est là que je trouve va se dérouler le nerf de la guerre, parce que ça va permettre de bien gérer la température de vos pneus. L'aéro est aussi très importante, voilà, parce que sinon on se retrouve avec une voiture qui, comme ici, eh bien, va tout simplement perdre du grip du train avant. Donc ça devient très vite dérangeant. Alors on découvre également une voiture avec beaucoup de couple en sortie de virage. Il faut réussir à passer la puissance au sol. Il y a également le DRS. Alors le DRS, je ne l'ai pas encore utilisé. Je viens de l'ouvrir pour la première fois. Et vous avez constaté tout simplement qu'il n'y a pas de zone prédéfinie sur ce circuit. Et donc pour activer le DRS, eh bien, vous poussez sur votre bouton, évidemment sur votre volant. Et hop, le petit carré de LED en bas à droite de l'écran eh bien, deviendra tout simplement bleu pour vous signaler que votre aileron est ouvert. Hop, voilà. Alors que là, on a un pilote. Hop, je ne sais pas où il est. Alors, est-ce qu'il s'est mis dedans tout seul? C'est pas impossible. Alors que mes tear-off ne fonctionnent pas. Ça, c'est toujours agréable. Bon, peu importe. Donc, on a toujours... Je pensais qu'il allait passer à droite, parce que j'étais complètement hors trajectoire. Il allait beaucoup, beaucoup plus vite que moi, le garçon. Voilà, donc en sachant bien gérer sa trajectoire et ses freins, vous allez vous en sortir. Si pas, voilà, vous allez vite devoir tartiner. Essayer de vous laisser profiter un petit peu eh bien, du son de cette voiture. Allez, c'est parti avec quelques vues caméra embarquée et quelques vues extérieures.
keep going. Et bien voilà pour ces quelques tours avec cette Formule Renault 3.5. J'espère que vous avez pu apprécier le son du rugissant V8 3.4 litres Zytec Renault. Sincèrement, c'est très très sympa à piloter, un peu incertain parce qu'évidemment il faut mettre au point un très bon setup. Je crois que cette voiture peut tout aussi bien coller au bitume qu'une Formule Renault 2 litres si elle est bien réglée. Là évidemment j'y vais encore bien à tâtons, j'ai pas fait beaucoup de setup, voire pas du tout. Mais au niveau de la pression des pneus, il y a encore du boulot, au niveau des freins également. Donc pas mal de choses à faire. En tout cas, globalement, c'est une bonne surprise. Alors, si jamais vous n'avez pas les moyens de débourser la somme nécessaire pour vous offrir ce magnifique bolide dans iRacing, je vous conseille l'excellent mode Assetto Corsa qui est disponible depuis 2-3 ans maintenant. Je l'avais testé il y a quelques mois sur la chaîne et c'est resté pour moi l'un des très bons souvenirs sur Assetto Corsa. Peut-être là-bas vous y trouverez votre bonheur, alors que moi, surpris par mon petit camarade, je suis allé au casse-pipe. Ok, il n'y a personne qui arrive, on va reprendre le droit chemin. C'est parti. Et la session est de toute manière terminée. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de cette Formule Renault 3.5. Globalement, très réussi au niveau sonore une nouvelle fois. Très agréable dans le force feedback, faut beaucoup travailler l'aéro. Le petit DRS qui fait aussi son office donne un petit côté plus piquant que la 2 litres. En tout cas, moi je vous la conseille vraiment, vraiment de prendre le temps de la tester si vous en avez le budget. Est-ce qu'elle vaut son prix? Écoutez, oui, n'oubliez pas de évidemment vous rendre sur le site pour retrouver toutes les spécificités de cette voiture. En tout cas, moi j'en étais plutôt satisfait pour un premier run avec cette voiture, c'est très sympa. Est-ce que je vous la conseillerais? Peut-être, sans doute, mais il faudra évidemment parcourir beaucoup plus de courses et de temps de roulage avec cette monoplace, mais globalement c'est un excellent premier contact. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. N'oubliez pas de checker la deuxième vidéo qui sera faite avec la Formule 3, évidemment avec, je l'espère, tout autant de réussite. Allez, merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine, ciao.